Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que l'innovation thérapeutique est de retour et que c'est une excellente nouvelle pour les patients. Et ces nouvelles thérapeutiques vont complètement changer la prise en charge d'un certain nombre de maladies. Nous allons assister en réalité à la chronicisation de maladies qui aujourd'hui très souvent sont mortelles. Ça va être une véritable révolution thérapeutique. Cette révolution, elle va provenir à la fois du développement des médicaments issus des biotechnologies, à la fois de notre capacité à mieux faire travailler ensemble un ensemble de technologies, la big data, la génomique, le dispositif médical, le diagnostic et le médicament. Nous allons donc vivre, dans les 10 à 15 années qui viennent, une véritable révolution thérapeutique pour le plus grand intérêt des patients. La France est un pays qui a une grande chance pour ce qui concerne le médicament. C'est que la France possède un mécanisme que l'on appelle, c'est un peu technique, pardonnez-moi, les autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, qui permettent généralement aux patients français d'avoir accès aux innovations de façon extrêmement précoce, c'est-à-dire avant même l'obtention par un médicament de son autorisation de mise sur le marché. Donc cette question de l'accès à l'innovation, elle est déjà traitée dans le cadre actuel. Ensuite, ces innovations, eh bien, il va falloir en assurer à la fois la diffusion et le financement. Et c'est vrai que l'arrivée de ces innovations, il ne faut pas le nier, va poser ou pourra poser un problème de soutenabilité pour le système de santé et pour notre système de protection sociale. Donc, d'un certain côté, ces innovations vont représenter un coût pour le système, mais d'un autre côté, elles vont aussi représenter une formidable opportunité de moderniser et de changer le système. Je vais vous donner un exemple. C'est vrai que les nouveaux traitements en cancérologie vont être très probablement des traitements coûteux, mais en même temps, ces traitements vont permettre de développer l'ambulatoire, de permettre aux patients d'être mieux soignés et d'être soignés à leur domicile. Et donc nous allons pouvoir éviter de très nombreuses hospitalisations avec ces nouveaux traitements. Et donc il va falloir aller chercher ces gains d'efficience, parce que c'est par la transformation du système, c'est par la récupération de ces gains d'efficience que l'on pourra dégager des marges permettant de financer ces innovations. Ensuite, eh bien, il existe effectivement des discussions. Il faut savoir que dans un pays comme la France, l'industriel ne décide pas du prix de son médicament. Ce prix, il est l'issue d'une négociation avec les pouvoirs publics. C'est à nous, avec les pouvoirs publics, d'imaginer des mécanismes, et ils existent, qui permettront de financer cette innovation au mieux, soit en étalant la charge de ces innovations dans le temps, soit en étant très exigeant et en demandant aux industriels d'être au rendez-vous de la performance de leur traitement quand ceux-ci auront été mis sur le marché. Mais les solutions, elles existent. Adapter les mécanismes de financement et aller chercher les gains d'efficience là où ils sont dans le système, parce que ces innovations vont transformer la vie de millions de patients. Alors les règles actuelles de fixation des prix des médicaments ne sont pas adaptées aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il existe un objectif d'évolution des dépenses de produits de santé qui est voté tous les ans par le Parlement. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le taux L. Et ce taux, depuis 2 ans, il existe et il est négatif. Autrement dit, la croissance que l'on souhaite pour le secteur est négative, ce qui évidemment ne reflète absolument pas la réalité des produits innovants qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc le premier point, c'est de dire qu'il faut ajuster l'évolution des dépenses de médicaments à la réalité de ce que nous constatons tous les jours sur le plan scientifique et sur le plan médical. Ça, c'est le premier élément et il est évidemment très important.
Le deuxième élément, c'est celui qui consiste à dire que effectivement, l'accord que nous avons avec les autorités pour financer les prix des médicaments, c'est une espèce de boîte à outils. Et les médicaments du futur, ceux qui arrivent, mais pas dans 10 ans, ceux qui arrivent demain, après-demain, vont chacun raconter une histoire qui sera une histoire différente. Il va y avoir des traitements qui vont guérir des pathologies. C'est le cas, par exemple, des nouveaux traitements de l'hépatite C. Il y a des traitements qui vont prolonger l'espérance de vie de façon extrêmement significative pour des pathologies qui, aujourd'hui, sont des pathologies mortelles. Il y a des traitements qui vont améliorer très considérablement la qualité de vie de patients qui sont atteints de pathologies chroniques. Tout le travail que nous avons à faire, et nous devons le faire avec nos partenaires que sont les autorités, c'est un travail consistant à construire ensemble les outils qui vont nous permettre, pour chaque histoire que racontera chaque traitement, pour chaque population concernée par ces innovations, d'avoir des mécanismes de financement adaptés, soit en ayant des mécanismes de remise adaptés, soit en ayant des mécanismes de paiement à la performance adaptés, soit en ayant des mécanismes peut-être également de fixation des prix selon les indications. Donc toutes les hypothèses sont ouvertes, c'est un chantier qui est devant nous. Dans le dialogue que nous avons avec les autorités et avec notre interlocuteur qui est le Comité économique des produits de santé, nous avons décidé d'ouvrir les discussions pour bâtir ces solutions d'avenir ensemble. Mais je suis persuadé que nous pourrons, dans un esprit de coopération, trouver ensemble les solutions qui permettront d'accueillir ces innovations, c'est-à-dire non seulement de permettre l'accès aux nouveaux traitements, mais de permettre l'accès aux nouveaux traitements à tous les patients qui en ont besoin, puisqu'évidemment, le sujet majeur, c'est de garantir l'accès aux traitements à tous les patients qui en ont besoin. C'est une préoccupation que nous partageons avec le grand public, avec les associations de patients. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y arriver.